Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nyanskriban. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une autre vidéo. Une vidéo qui risque de vous faire peur, mais nous devons vous poser cette question. Dites-nous, mes frères et sœurs, que se passerait-il si vous, en marchant dans la rue, vous apercevez quatre filles apparaître comme ça, comme venues de nulle part, elles apparaissent bouh! Et habillé de façon sexy. Qu'est-ce qui se passerait dans votre tête en ce moment? Ah, mais bien sûr que oui. Ces choses, si vous pensez que c'est de la blague, ces choses sont bel et bien réelles. Et nous allons vous dire clairement que il y a des choses vraiment graves qui se passent dans ce monde et nous allons vous révéler certaines choses qui vont vraiment vous étonner. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez s'abonner maintenant. Cliquez sur la cloche, l'activez et soyez prêts parce que ça va être chaud. Bien, de quoi s'agit-il? Mes frères et sœurs, il s'agit tout simplement des activités démoniaques, des activités des forces du monde des ténèbres, le diable et ses filles, les filles du diable qui s'atterrissent sur la terre. Et quand les filles du diable sont envoyées sur la terre, c'est pour séduire les humains. Et les filles du diable sont en général les sirènes ou encore des démons qui sont sous forme humaine, qui s'habillent comme des femmes et qui descendent tout simplement dans notre monde. Vous pouvez dire, mais ah, comment ça existe? Est-ce que ça existe? Comment c'est possible? Mes frères et sœurs, nous allons vous révéler cela. Si nous parlons de cela, c'est parce que nous sommes dans la fin de l'année. Et dans la fin de l'année, il y a des choses bizarres comme ça qui se passent. Mais la plupart du temps, les gens disent que, ah oh, non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Mais le jour où ils sont face à la chose, ils sont les premiers à venir témoigner ici. Donc nous allons vous raconter cette histoire pour que vous soyez prudents. Un jour, nous avons reçu un ex-sataniste sur notre épaule. Et cet ex-sataniste nous a raconté quelque chose qui s'est réellement passé. Il a dit que souvent, il y a des démons qui quittent leur monde. Et quand ces démons-là quittent leur monde, ils ont l'habitude de descendre les week-ends ici dans notre monde en passant par quoi? Par où? Par les cimetières. Oui. Ça veut dire quoi? Ces démons-là peuvent être dans le monde des eaux, dans l'océan, dans l'eau là-bas. C'est-à-dire, quand tu vas là-bas spirituellement parlant, tu vois que ces démons-là y sont. Mais quand ces démons-là doivent venir sur la terre, ces démons peuvent utiliser beaucoup de portes. Mais la porte la plus utilisée, c'est la porte des cimetières. Et quand ces démons-là arrivent par la porte des cimetières, ce qui se passe, c'est que ça apparaissent dans les cimetières là-bas, genre comme, c'est-à-dire, elles sortent, on peut dire que elles sortent des tombes. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les films d'horreur où on voit des cadavres sortir des tombes là. C'est exactement ça. Elles sortent des tombes. On peut même voir même la lumière qui sort, toutes ces histoires. Et quand ces choses arrivent, quand elles sont là-bas, ce qui se passe, c'est que elles ont la possibilité de s'habiller de façon sexy. Oui. Nous allons vous expliquer cette partie-là, c'est-à-dire avec plus de détails dans les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça, c'est juste pour vous raconter quelque chose, pour vous amener à être prudent là maintenant. Mes frères et sœurs, ça existe. Et quand elles arrivent dans le monde des cimetières et qu'elles sont bien habillées, elles vont maintenant se diriger où? Elles vont tout simplement se diriger dans les boîtes de nuit, des lieux publics, c'est-à-dire comme ce sont les week-ends, ce sont les samedis. Elles arrivent comme ça et tu vas les voir, elles sont belles, elles sont toutes brillantes. Tu as envie de les toucher comme ça. Ah, tu es jolie, je veux te toucher. Quand tu dis c'est pas tout ce qui brille que de l'eau là, c'est aujourd'hui tu vas comprendre. Et elles ont, c'est-à-dire ces démons-là, ou encore ces sirènes-là,
elles ont la possibilité de se comporter comme les filles de ce monde. Exactement. Et si vous avez regardé le témoin puissant, l'un des témoins puissants que nous avons traité hier, sans doute vous êtes tombé sur cette vidéo où il y a une fille qui nous a dit comment elle a rentré en contact avec une sirène. À la fin de cette vidéo va apparaître. Vous allez voir une femme qui a une queue de poisson qui est couchée là près de l'eau. Ces dames de la mer là quittent leur monde pour venir tout simplement ici. Et quand elles arrivent dans notre monde, elles font dans les lieux publics, dans les bars, surtout dans les jours de fête, les samedis en particulier. Et si nous faisons cette vidéo, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, si vous êtes dans la vie de débauche ou encore vous fréquentez les bars, c'est le moment de cesser cela. Parce que si vous continuez à fréquenter de tels lieux, vous risquez de rentrer en contact avec de telles créatures. Un jour dans un bar, le diable, c'est-à-dire il y avait des activités démoniaques. Il y avait un homme qui était là comme ça, tranquillement, il était là, assis tranquillement. On ne savait pas qu'est-ce qui ne va pas avec lui. Il a vu une femme, la serveuse, et il a appelé la serveuse tranquillement. Et il a demandé à la serveuse de lui apporter une pierre. Quand la serveuse est retournée, on ne sait pas d'où est venu un esprit. Cet esprit-là est venu carrément sur lui comme ça. Cet esprit-là l'a touché. C'est-à-dire, a touché son visage. Et quand cet esprit a touché son visage, là, ça a brouillé carrément sa mentalité, c'est-à-dire sa conscience. Voilà. Lui qui avait commandé une bière, dès que la femme est venue avec cette bière-là, il lui dit, mais est-ce que moi j'ai commandé une bière? Qui t'a dit que j'ai commandé une bière? Il a pris sa main pour faire palabre. Du coup, il y a eu, les palabres se sont déclenchées carrément dans ce bar. Ça a créé des tensions. Des bouteilles ont été cassées, palabres un peu partout. Et dans ce genre de situation, le sang peut couler. Et ces démons qui sont envoyés dans les bars, qui sont des sirènes, parfois, elles sont capables de provoquer de telles actions, de telles choses. Et si vous, par exemple, dans votre vie de débauche, ou encore dans ce bar-là, vous avez rencontré cette fille et que vous avez même couché avec elle, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vous transmettre quelque chose. Et cette chose qu'elle va vous transmettre ne va pas vous arranger du tout. Et vous pouvez avoir des troubles de conscience comme ça. Vous pouvez troubler votre esprit, pour être plus précis. Et vous allez voir que dans vos affaires, ça ne va pas. Les choses vont commencer à mal tourner. Et c'est là que vous serez dans les soucis assez compliqués. Ce sont en clair des choses que vous pourrez rencontrer dans ces fins d'année. Surtout en période de fête les samedis. Faites attention. Ah! Tu vas voir une fille aujourd'hui. Tu vas la voir, elle est tellement bien habillée. Tu vas dire que c'est la femme de ta vie qui est là. Oh, ces sirènes-là peuvent se déguiser en de telles femmes. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que nous allons vous dire. Elles peuvent même aller à l'église. Elles peuvent même se rendre dans les églises les dimanches. Vous pouvez faire le culte avec tous ceux qui sont là. Et elles peuvent même prendre l'apparence des vraies chrétiennes. Ça, ce sont des sirènes. Nous voulons juste vous dire ces choses pour vous préparer aux témoignages puissants qui vont venir dès la semaine prochaine. C'est-à-dire la semaine qui a commencé le lundi 17, jusqu'à, voilà, on va aller jusqu'au bout. Il y a des choses comme ça qui vont venir dans les témoignages puissants. Et si vous entendez ça, vous faites, soyez prudent. Et aussi, dans certains témoignages, il y a certaines personnes qui ont donné des secrets sur comment faire pour avoir certaines choses. Il y a certaines personnes qui peuvent venir comme ça. Ils sont là spécialement pour écouter les témoignages là. Et ils vont voir comment ils vont faire aussi pour pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a dit de ne pas faire. Par exemple, il y a une fille
cet homme puissant hier. Elle a dit qu'elle allait sur la plage et sur la plage là-bas, elle était face à la mer et elle a fait une prière. Elle a fait des vœux et elle a bu de l'eau. Pourquoi elle allait devant la mer? C'est parce qu'on lui a dit que quand on se positionne devant la mer, on fait des vœux. Et quand on fait des vœux, nos vœux sont exaucés. Donc elle a bu l'eau. En plus, elle se lavait le visage. Ça, c'est une chose, c'est une pratique démoniaque. Si vous avez entendu un truc pareil d'un témoin puissant, s'il vous plaît, soyez prudent. Ne le refaites pas du tout. Ne le refaites pas. Cette vidéo, c'est là, est venue pour vous informer de cela. Et nous aimerons insister là-dessus. Évitez de vous présenter devant la plage, sur la mer, et vous, en train de vous mettre à faire des incantations ou des trucs bizarres. Et je vais vous dire, sur la plage, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Parfois, il y a des gens qui font nu, ils se mettent carrément nu sur la plage. Je dis bien nu. On ne sait pas ce qu'ils cherchent, mais ils sont les seuls à savoir ce qu'ils cherchent. Il faut rentrer en contact avec des démons. Des démons qui se trouvent dans l'eau. Ce sont des sirènes en général. Les dames des mers. Même à 1h du matin, il y a des gens qui sortent, qui font rentrer en contact avec de telles créatures. Et ces créatures peuvent sortir de l'eau. Hein. Ces créatures peuvent effectivement sortir de l'eau. Si vous ignorez toutes ces histoires, voici une petite vidéo, une courte vidéo qui va vous, juste vous donner quelques informations là-dessus pour vous dire que, pour vous dire tout simplement, soyez prudents. C'est ainsi vraiment, soyez prudent et priez beaucoup. Et priez beaucoup. L'ennemi travaille, l'ennemi combat. Mais vous, franchement, ne nous ouvrez pas de porte en ayant du sexe en mariage avec une fille. Ça aussi, c'est une porte qui ouvre, qui est ouverte au démon. Bon, nous en parlerons dans les prochaines vidéos. C'est juste une vidéo que nous devons faire juste pour vous préparer les 3h du matin. Nous allons prier et puis préparez-vous pour les autres vidéos de témoins puissants qui vont venir. Ça va être chaud. Le monde des ténèbres existe. Toutes ces histoires sont réelles. Et nous devons vous informer qu'il y a même des démons, des femmes démons, des sirènes qui quittent le monde des ténèbres pour venir dans ce monde. Elles ont l'air sexy. Elles sont bien parfumées. Elles peuvent même avoir des voitures. Mais mes frères et sœurs, soyez prudents. Et vous ne vous laissez pas séduire. Bon, c'est juste un avertissement. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et les vidéos qu'on suit vont nous donner plus de détails sur le sujet. Soyez prêts.